Alors avec nous, Grégory Béliard, donc le gardien de Morteau. Donc Grégory, ben, une mauvaise opération aujourd'hui, une défaite contre Pontarlier 2-0 et la victoire de Belfort Sud contre Saint-Vith. Voilà, ça va être compliqué. Ouais, une grosse désillusion. On a entamé le match, on a fait une bonne première mi-temps. On tape la barre, un arrêt du gardien aussi. Le gardien qui a été déterminant chez eux par 2-3 parades, super parade aussi. Puis ben, vous me l'annoncez, la pénalité de Belfort Sud, alors, ouais, c'est vraiment la mauvaise journée. Tomé contre une bonne équipe, Pontarlier, ouais. Joue bien en ballon, ouais. Avec 2-3 individualités très fortes. Des jeunes. Numéro 10, des jeunes, ouais. Qui courent, qui vont charbon. Une bonne équipe. On va jouer sur meilleur que nous, je pense. Ouais. On est passé un peu à côté de notre match. Un peu timide, un peu de la pression. Voilà, merci. Alors avec nous, Franck Thauvin, donc le premier buteur de ce match. Une belle reprise de volée, de demi-volée à 25 mètres. Une belle satisfaction, une victoire 2-0 à Morteau. Vous êtes venu la chercher, celle-là? Ouais, bah on savait que ça allait être difficile à venir ici. Ça a été très, très difficile. Ils ont une bonne équipe, ça joue bien devant. On a eu chaud par moment. On a réussi à marquer au bon moment pour les faire lutter. Puis voilà, on est très content de notre victoire. Le titre de champion de Franche-Comté de BH, je vous tends les bras. On espère, on ne sait pas encore le résultat de 5-8, mais on espère largement l'avoir. On pense la mériter aussi. On a fait une bonne saison, on est une équipe. Ouais, Francky, c'est ça, gros. Et voilà, on est super contents. Eh ben, merci. Ben. Alors voilà le deuxième buteur de ce match, donc Kevin Bertrand, coup du sombrero, reprise de volée, magnifique, et une victoire 2-0 à Morteau. Une victoire 2-0, ça fait plaisir. Après, je marque, c'est vrai que je fais un petit coup de sombrero, une belle reprise de volée, qui me fait avoir un score à 2-0. C'est bien, ça a mis du moral à l'équipe. On a su qu'on allait tenir jusqu'à la fin à 2-0, où la victoire était proche. Voilà. Et bien, merci. On est avec nous Christophe Cachilly. Ben Christophe, un entraîneur forcément déçu. En plus de ça, la victoire de Belfort Sud contre Saint-Vith, donc Belfort repasse devant. Un match compliqué encore aujourd'hui. Oui, un match compliqué dans le sens où Pontarlier a été très solide. On nous a pris comme il fallait à la gauche. Maintenant, je pense que sur l'ensemble du match, il ne faut pas être déçu du résultat. La seule déception qu'on peut avoir, c'est le manque de jeu, le manque de production. Et des matchs comme ça, c'est important justement avant les matchs de se dire il faut les jouer. Je pense qu'on ne l'a pas joué aujourd'hui, on était là physiquement mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Je ne pense pas qu'il y avait du stress, je ne pense pas qu'il y avait de la timidité. Maintenant on a manqué de tout dans tous les compartiments du jeu. Savoir on a manqué de détermination, on a manqué de concentration sur les coups de pied arrêtés, d'agressivité également. L'agressivité, hein. Et surtout une lenteur. Alors oui, il y a la chaleur elle est pour les autres équipes ailleurs, elle est pour Pontarlier ici. Enfin, ils ont su mettre de la vitesse et se projeter rapidement vers l'avant en profitant d'une défense très bien groupée et très performante autour de Greg Tournou et Spilou. Maintenant, je pense que la victoire est méritée, que nous, le seul regret qu'on puisse avoir, c'est de ne pas avoir joué ce match-là. Par un manque de vitesse, par un manque de qualité dans l'utilisation du ballon. Maintenant, il faut savoir se remobiliser parce que même si tout est contre nous ce week-end, rien n'est fini. Même si Belfort Sud a gagné, ça ne veut pas dire qu'ils iront s'imposer à Roche-Novillard. Maintenant, la problématique elle est différente, c'est qu'on doit compter à la fois sur nous et sur les adversaires directs et leur éventuelle défaillance. Donc maintenant, voilà, je pense qu'on a perdu gros aujourd'hui, mais il faut savoir se remobiliser jusqu'à la fin parce qu'on est des sportifs et il faut se battre jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, et sortir quoi qu'il en soit la tête haute. Merci pour ça. Allez, avec nous, Alex Demougeot, donc le coach du CAP. Ben Alex, c'est un coach forcément satisfait. Vous jouiez le titre de champion de DH, c'est encore le cas malgré la victoire de Belfort Sud contre Saint-Vith. Oui, c'est un petit peu le deal. Voilà, on a avancé par étapes. C'est une jeune équipe qui démarre.
le championnat pour jouer le maintien. Et puis elle se retrouve à mi-saison bien classée. Donc après, on joue le premier tiers. Après, par étape, deux mois après, on se dit qu'on peut peut-être jouer le podium. Et puis ça fait un mois maintenant qu'on se dit qu'on peut peut-être jouer le titre. Donc voilà, c'est notre seule logique sportive. Voilà, récompenser les jeunes joueurs qui se sont investis là-dedans. Récompenser et remercier les anciens qui viennent encore donner du temps, encore donner de l'énergie, prendre du temps de jeu, Greg du Tourneau, plaisir. Spielman. Greg, ouais. Aujourd'hui, Spiel qui est venu aussi filer le coup de main. Duroche qui a des soucis au genou, mais qui est quand même encore là, qui veut rester avec l'équipe. Voilà, on a des pépins. Mais je pense que c'est cette homogénéité, cet état d'esprit. Voilà, c'est une équipe qui a trouvé son identité, puis qui a eu beaucoup de réussite. On a eu beaucoup de réussite tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Quoi. Un bon week-end, on est content pour ça. Ouais, c'est un bon week-end. Je pense que le plus gros de tous les matchs, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est évidemment sans jouer notre maintien hier soir avec la défaite d'Infi. Aujourd'hui, nous, on concrétise aussi beaucoup de boulot, un bel investissement des joueurs. Ils sont contents d'être ensemble. Ils ont progressé dans certains domaines. Dans d'autres, il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, on va pouvoir basculer sur la saison prochaine, la préparer le mieux possible, voir si les joueurs peuvent encore avancer d'un cran. Voilà, vous allez jouer le maintien la saison prochaine ? C'est le deal. Ouais, je suppose. Ouais. Ça va vite. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait autre chose que ça, qui ont fait ça et puis qui après étaient en grande difficulté. Je sais ce que c'est. On sait tous ce que c'est, surtout quand on s'appuie sur des gamins. Donc voilà, mais c'est la logique sportive, c'est la politique sportive du club. On la suit, on la maintient. Voilà, c'est une satisfaction pour les joueurs, c'est une belle récompense pour les joueurs. Eh ben merci Alex. De rien.